Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce Secret de Pige, une édition un petit peu particulière ce soir, puisque d'habitude, nous avons des Secrets de Pige qui se font à 13h30 le mercredi. Là, nous sommes mercredi et il est 19h. Il est plus exactement 13h au Québec, puisque nous sommes en direct avec le Canada et avec Montréal. Alors, je ne sais pas, il vient de... François vient de disparaître de l'écran, mais il va revenir. Et donc, nous sommes en direct avec François Mackay. François Mackay, je voulais vous le présenter ce soir parce que c'est quelqu'un d'extraordinaire. Moi, je le suis sur les réseaux depuis pas mal de temps. Il est président, directeur général du groupe Mackay. Il est je le disais tout à l'heure, hyper actif. On le voit sur les réseaux. Il a créé la Mackay Academy. Il est avec les meilleurs formateurs, les meilleurs de l'immobilier au Canada. Et je voulais vraiment vous le présenter parce que je pense qu'il va nous apporter beaucoup pour nous, conseillers immobiliers français. Donc, je vous retrouve tout de suite après le générique. J'espère que je vais le retrouver parce qu'il est parti de mon écran. Mais je vous mets tout de suite le générique et on le retrouve tout de suite après. À tout de suite. I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream. And I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me. Cause I run it, I'm the only one that really want it. I'm the only one that's really on it. I'm just being honest, I'm just doing everything I promise. Cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest and I know I'm not the largest. But I promise you that I'ma be the one that worked the hardest. Cause I promise you that I'm just getting started. And I promise you. Bon, ben, je me retrouve tout seul parce qu'en fait, je pense qu'il a eu un problème de connexion. Mais c'est pas grave, je vais continuer à parler de François Mackay, le temps qu'il se reconnecte. Comme je vous l'ai dit, c'est quelqu'un d'extra, moi en tout cas, pour un conseiller immobilier français. Je peux vous garantir que c'est quelqu'un qui va nous apprendre énormément. La première fois que je l'ai vu dans une vidéo YouTube, même un podcast qui s'appelle « Dans le ring immobilier ». Alors, c'est très marrant parce que « Dans le ring immobilier », c'est justement… le cousin de Secret de Pige. Pourquoi ? Ben, simplement parce que c'est des pros qui interviewent des pros de l'immobilier, des pros de l'immobilier qui interviewent des pros de l'immobilier. Et donc, ben, on est finalement cousin d'outre-Atlantique. Donc, c'est juste génial. Et c'est comme ça que j'ai rencontré François Mackay pour la première fois. Il est revenu sur mon écran. On va lui dire bonjour avec un tonnerre d'applaudissements pour tout de suite. Bonjour Alexandre. Hey, je suis vraiment désolé, mon Dieu. Mon ordi s'est éteint. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Pourtant, il y avait de la batterie. Je venais de vérifier. C'est pas grave, ça peut arriver. Alors, nous sommes de retour. Je suis de retour. Bon, mais c'est cool. Il y a Yann Raoult, je ne sais pas si tu connais, c'est un courtier au Canada aussi, à Montréal, qui dit t'es pas tout seul, mon pote. Effectivement. Parce qu'à un moment donné, je me suis retrouvé un petit peu tout seul. Donc, c'était assez marrant parce que, ben voilà, ben écoute, c'est comme ça qu'on apprend. Hein. Ça fait partie des expériences. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Bon, en tout cas, je suis vraiment très, très heureux de te recevoir ce soir. Parce que, et ouais, vraiment, vraiment, parce que ben, tu fais partie des gens vraiment que je suis sur les réseaux, des personnes outre-Atlantique que je suis vraiment parce que tu es… hyper actif, je te vois énormément bouger de partout, faire des trucs dingues, notamment la Mackay Academy, où j'ai l'impression que tu as réuni les meilleurs formateurs, les meilleurs de Montréal, les meilleurs du Canada pour donner un maximum de contenu aux personnes qui viennent te rejoindre. Tout à fait, tout à fait. Ben écoute, je peux peut-être te compter comment ça a débuté. Mackay Academy. Et d'ailleurs, on a effectivement réuni plusieurs personnes. Il manquait Yann. Yann, la prochaine QV de Mackay Academy, Yann va venir faire de la formation. en fait, ça m'est venu. L'idée m'est venue il y a 2 ans, avant la COVID. Ce qui est arrivé, c'est. Bonjour, Yann. Alors, ce qui est arrivé, c'est que il y avait des courtiers immobiliers qui me téléphonaient et me demandaient si on offrait des bourses pour les étudiants en courtage immobilier.
Alors, on me posait la question à quelques reprises, des gens qui avaient, tu sais, qui, bon, ils voyaient que les cours, c'était plus dispendieux, surtout les cours privés. Il y a des cours qui se donnent dans notre cas ici, dans des écoles publiques à moindre coût ou des écoles privées. Puis, c'est un petit peu plus dispendieux, donc environ 5 000 $ canadiens de suivre la formation. Mais après ça, il y a aussi l'examen, puis les permis, tout ça. Je pense que ça revient à peu près à un 8 à 10 000 $ là, au total. Pour devenir courtier au Canada, c'est ça, à Montréal, oui, au Québec? Un 8 000 $ oui. 10 000 $ Ouais, 8 à 10 000 $ là, tu sais, pour couvrir tous les frais, mais 8 000 certainement. Alors, donc on me demandait si on offrait des bourses, si on payait les cours ou on offrait des bourses. Là, je disais non, on n'offre pas ça. Puis à un moment donné, ben, il y a quelqu'un qui m'a appelé et m'a proposé ça. Je faisais comme la troisième fois que j'entendais ça. Puis j'ai dit, on devrait le faire dans ce cas-là. Pourquoi qu'on n'offre pas une bourse à des étudiants, justement, en courtage immobilier? Fait que là, j'ai dit, on va appeler ça la bourse Groupe Macaï. Puis j'ai dit, ça va être une excellente façon de promouvoir notre agence immobilière auprès des étudiants en courtage immobilier. J'ai dit, on va faire une grosse soirée de réseautage. On va inviter tous les courtiers immobiliers du Québec, tous les étudiants. Puis, on va demander à des gens qui veulent participer de nous envoyer une vidéo puis de répondre à 5 questions. Puis après ça, on regardera les meilleurs candidats puis on en choisira 5 qui devront s'exprimer sur un stage là, dans une salle de conférence et on choisira le gagnant de la bourse de 15 000. Fait que ça, c'était, on va faire une campagne de marketing sur 5 semaines. Fait que c'était mon plan. On s'apprêtait à débuter la deuxième semaine du mois de mars avec, on faisait ça au mois de mai, la présentation. Donc, on faisait de mars à avril là, la promotion et mai, la grande soirée, début mai. Alors, puis là, qu'est-ce qui est arrivé? Bien sûr, la COVID est arrivée. Et à ce moment-là, j'avais tout mon visuel de marketing et tout était prêt. Et j'ai abandonné le projet. J'ai dit, on met un hold sur le projet. J'ai cancellé la salle. J'ai dit, on va voir ce qui se passe avec ça. J'ai mis ça de côté. Un an après, il y a un type qui m'appelle. Moi, souvent, comme plusieurs courtiers immobiliers, on se fait solliciter pour du marketing, de la publicité, des gens qui veulent vendre toutes sortes de choses. Alors donc, puis moi, je suis tout le temps du genre à dire, oui, je vais prendre ton appel. Oui, je vais regarder ce que tu as à me vendre. Parce que je me dis, peut-être qu'à un moment donné, je vais trouver quelque chose de bon. Hein? On ne sait jamais. Alors, si on n'écoute pas, on ne le saura pas. Donc. Alors, je prends souvent la peine, le temps d'écouter ce que les gens ont à me proposer comme produit ou service. Puis, j'ai aimé son côté. Il m'a proposé des services de vidéo, services interactifs de marketing. Puis, surtout, je lui ai conté cette histoire-là. La bourse Groupe Macaï, puis il a dit, c'est une bonne idée. Il dit, on pourrait faire ça virtuel, tu sais. J'aimais moins le côté virtuel de faire un événement, un gala virtuel, mais je dis, peut-être c'est une possibilité parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Ça faisait déjà un an là, qu'on était dans la COVID. Fait que là, je dis, peut-être qu'on pourrait regarder ça. Par la suite, ça s'est transformé. On a dit, au lieu de faire un 5 semaines de marketing, puis arriver, il dit, peut-être que tes étudiants, ils disent, on pourrait peut-être leur faire faire certains défis ou puis étaler ça sur 3 mois, comme ça, tu en aurais plus pour ton argent, puis au niveau point de vue marketing, puis tout ça, pour les frais, étaler les frais sur 3 mois. Fait que là, ils disent, on pourrait même peut-être faire, c'est ça, certains défis. Fait que là, ils disent, comme une genre d'académie. Maca Academy, pourquoi pas? Alors, ils disent, allons-y de cette façon-là. Puis c'est comme ça qu'on est arrivé avec, finalement, la force de parler puis de brainstormer en anglais, mais en français, je sais pas, c'est brainstormer, ce serait... Ça se dit brainstorming en français, tout à fait. Ça se dit? Ah, OK, ouais. Parfait. Donc, c'est ça. De mots anglais en français. C'est vrai, hein? Vous utilisez beaucoup de mots anglais, nous, on parle français. C'est ça, exactement. Incroyable. Alors, donc, c'est cela. Alors, on a été, à force de discussion, on en est venu à l'idée de, aussi au point de vue de filmer, puis tout ça, comment qu'on allait faire ça. Puis, on a retenu 15 courtiers, donc on a fait appel à des courtiers immobiliers de 24 mois et moins d'expérience ou des étudiants en courtage immobilier.
on leur a offert de participer à la Macaï Academy où il va y avoir des formations données par moi puis, et par des experts dans le domaine de l'immobilier. Puis, comme on a pu voir, là, justement, hier, ça a été une grande journée. On a eu hier à nos bureaux, on a eu Luc Poirier, qui est un des plus grands investisseurs immobiliers du Québec. Actuellement, il possède pour, je pense que hier, si j'ai bien compris, il nous a parlé de près de 10 000 portes à faire actuellement en terrain qu'il possède. Donc, il pourrait faire construire la construction de 10 000 unités d'habitation. Donc, il possède beaucoup, beaucoup, beaucoup de terrain. C'est un des plus grands investisseurs. Il a monté des tours de condos. Il a fait plusieurs projets. Donc, il est venu faire une conférence à nos courtiers. Nicolas Herré de MREX. Alors, donc, MREX, qui est l'école de l'Institut de multilogement, alors, où il donne des formations, puis même il certifie, il donne des diplômes pour les gens qui vont suivre la formation MREX en multilogement. Puis Nicolas Herré, le président fondateur, est venu nous faire une conférence, d'ailleurs. Puis c'était drôle, parce que, ben pas c'était drôle, mais à la fin, tout le monde ne voulait pas qu'il arrête. C'était très, très bon. Fait que là, on a dit, faut qu'il continue, mais bon, il a dû s'arrêter. Mais c'était ultra intéressant. On a eu Louis-Pierre Mercier, qui est un formateur du courtage immobilier, très, très bon. D'ailleurs, il vous connaît, Alexandre, il te connaît, puis il attend ton appel. Ah, ben, pas de problème, je vais l'appeler. Je le connais aussi, je le suis sur les réseaux. C'est ça. Alors, je lui ai dit que je participais à ton émission aujourd'hui. Et c'est ça, il a dit, ah, ben, ça y tente de le faire. Louis-Pierre Mercier qui a fait une excellente conférence. Alors, il est toujours très, très, très stimulant. Beaucoup, beaucoup d'énergie. Il nous a fait lever. On s'est dégourdi un peu. On s'est fait des massages. C'était très, très intéressant, là, sa session. Et Yann Lajoie aussi, qui est un formateur en fait, c'est un coach de performance. Donc, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il prend des entrepreneurs. Puis les aide à adopter des meilleures habitudes de vie, puis à être plus focussés sur l'atteinte de leurs objectifs. Donc, puis on a eu aussi Guy Baillargeon. Qui est un spécialiste il a fait un livre qui s'appelle « Les 107 principes d'investir en immobilier au Québec », qui était tiré d'un livre qui venait de la France également, qui est aussi spécialiste dans les gens qui veulent le partenariat en immobilier, donc ceux qui veulent s'unir pour investir en immobilier, donc il est spécialiste là-dedans, puis il est conférencier aussi. Donc, puis il a fait une émission de télévision qui s'appelle Chasseur de maison avec un autre type qui s'appelle Jean-François Tremblay. Jean-François est venu la semaine passée. C'est Chasseur de maison, l'émission, puis JF Tremblay, il y a l'école Flip Academy. Alors, donc Flip Academy où ils apprennent à comment faire des flips de propriété. Donc, c'était très, très bon. D'ailleurs, nos étudiants à Macaï Academy ont dû trouver chacun un flip, OK? Et je t'annonce en primaire, d'ailleurs, il faut que je rappelle mon titre. Un des flips, parce que ma fille fait partie de Macaï Academy, mais elle ne peut pas gagner. Elle ne peut pas gagner parce que c'est ma fille, mais je lui ai dit, tu vas tellement trouver ça bon, il faut que tu participes. Je te garde une place. Alors, elle a participé. Et dans son exercice de trouver un flip, on l'a trouvé tellement bon, le flip qu'elle a trouvé, qu'on a décidé de procéder à l'achat de ce flip-là. Alors, j'ai justement rencontré le propriétaire il y a deux soirs. Je suis allé, parce qu'on ne trouvait pas son téléphone, donc je suis allé frapper à la porte. Je me suis présenté, j'ai dit, je suis François Macaille, courtier immobilier, il me connaissait déjà. Alors, j'ai dit, j'étais avec ma fille ici, puis on est aussi investisseur, puis on veut investir, puis on a vu votre propriété, elle nous intéresse. Voulez-vous vendre? Alors, le monsieur, j'ai dit, je vous donne moi votre numéro de téléphone, je vais vous envoyer une proposition, on pourrait se revoir parce que là, je pense que vous êtes peut-être occupé avec la famille, puis il ne nous connaît pas. Alors, puis il faisait très, très froid dehors. Alors, j'ai dit, on va se rappeler. Puis justement, il m'a retexté, là, on va aller prendre un café, puis discuter des modalités, mais on va possiblement procéder au flip. Excuse-moi, le flip, en fait, c'est un achat-revente, c'est ça? Hein? C'est t'achètes et tu revends derrière. En fait, un flip, il y a différentes opportunités. Souvent, le flip traditionnel, c'est l'achat d'une propriété à rénover, qu'on rénove, donc on paye un certain prix, on la rénove et on la revend. D'accord, c'est ça. Propriété. Alors ça, c'est le flip traditionnel. Dans le cas de ce qu'on fait,
C'est plus une opportunité dans le sens que c'est un triplex, donc trois appartements en hauteur et un terrain double. Alors, on achète le tout, on subdivise le terrain, on revend le triplex, puis là, ben, on a trois possibilités avec le terrain. C'est soit qu'on revend le terrain, c'est soit qu'on fait un bloc appartement, donc des appartements qu'on construit et qu'on revend, ou on peut le revendre aussi en condo. Mais la proposition condo actuellement nous semblait la plus rentable. Elle est un petit peu plus longue dans le temps parce qu'il faut obtenir des autorisations, puis tout ça, puis la construction. Mais au niveau rentabilité du projet, c'est très rentable. Donc, si ça fonctionne, on va opter pour la troisième option qui est de faire des condos. Un condo, c'est un appartement. Un condo, c'est un appartement qu'on vend. Oui, exactement. C'est ce que nous, on appelle un appartement. Exact. Alors, okay. Un appartement qui se vend parce qu'on peut les louer ou les vendre. Ah, et du coup, un condo, ça, on peut louer un condo aussi, c'est ça? On peut louer un condo, oui, tout à fait. Okay. Tout à fait. OK. Tout à fait. Ouais, condo, Yann, il est sympa parce qu'il nous traduit, en fait. Condo égale propriété. C'est ça. C'est ça, exactement. Et voilà, et voilà. Alors, donc, on a plusieurs options, puis on va regarder possiblement la troisième option. Alors, c'est des choses, mais je vous dis, là, tous les étudiants de Macaï Academy nous ont apporté des bonnes opportunités. Alors, c'est juste, puis souvent, je regarde les courtiers au Québec, les courtiers dans mon équipe, même dans mon agence, puis on leur dit, on a des clients qui cherchent des opportunités. Puis souvent, bien, des fois, on ne se casse pas toujours la tête pour trouver des opportunités, mais dans le cadre d'un concours, parce que là, la bourse Groupe Macaï, c'est une valeur de 15 000 $ quand même. Ah oui, quand même. C'est quand même, oui, c'est quand même une bourse de 15 000 $ qu'on a offert là, aux gens qui sont inscrits à Macaï Academy. On a reçu 60 inscriptions de courtiers courtier en devenir et de courtiers existants. On a, suivant la soixantaine d'inscriptions qu'on a reçues, on a regardé les candidatures. On voulait s'assurer que, de un, les candidats, ça faisait un certain temps qu'ils étaient à l'école, pour pas que ça soit trop nouveau et qu'ils abandonnent en cours de route. Donc, on voulait s'assurer que ça faisait un petit bout de temps qu'ils étaient déjà inscrits. Ensuite de ça, on a regardé les différents profils. Puis ensuite de ça, bien, on a regardé leur disponibilité pour le tournage parce que, étant donné que ça passe, c'est une web-série, dans le fond, Macaï Academy, ça va être diffusé au mois de janvier. Il va y avoir trois épisodes et la finale, la quatrième épisode qui est la finale en direct. Ça va être diffusé où, du coup? Ça va être diffusé StreamYard. Ça va être comme toi. Ça va être diffusé sur ça va être directement sur le site Macaï Academy. Sur le site de Macaï Academy, qui est macaïacademy.com. Macaïacademy.com. C'est ça. Alors, macaïacademy.com. Il va avoir, quand on va ouvrir, là, on va avoir une fenêtre pour regarder. Ça va être sur YouTube puis nos pages Facebook en même temps. Donc, en fait, par rapport à tout ce que tu dis, pour bien démarrer dans l'immobilier, il faut être bien formé et bien accompagné. Oui. Parce que, en fait, toi, tu offres avec cette bourse, avec cette académie, quelque chose de dingue, en fait. C'est-à-dire que tu vas les former vraiment sur tout, sur la découpe, sur le flip, sur l'investissement immobilier en général. On n'a pas ça en France. Hein. En France, on n'a pas ça. Hein. Ben, il n'y a personne qui forme des gens comme toi. Hein. Ben, au Québec, non plus. Mais en fait, je ne connais pas toutes les agences immobilières et leur fonctionnement. Je sais que chacun va faire de la formation à sa façon. Je sais qu'il y en a qui ont certains programmes de formation. Disons que nous, en plus, c'est qu'on s'est adressé beaucoup à des étudiants en courtage immobilier parce qu'on voit que les étudiants, ils ont un grand besoin d'être coachés et d'être encadrés. Puis pour plusieurs personnes, ça leur fait extrêmement peur de se lancer dans le courtage immobilier quand on est purement en commission, donc aucun salaire de base, et qu'il faut trouver des clients. Puis après ça, on dit, ben, t'es autonome, tu peux, lance-toi tout seul. C'est très insécurisant pour les gens. Donc, on s'est dit, avec Macaï Academy, au départ, c'était l'idée de la bourse. Par la suite, c'est devenu l'idée d'une académie avec, en bout de ligne, une bourse, puis une web-série. Notre intention, dans le fond, en commençant ça de cette façon-là, c'est aussi
après avoir vu là, ce que ça a donné, parce qu'on a façonné ça là, au fur et à mesure, ça a été très vite. Là, on a parti ça au mois d'octobre, tout, ça bouge là, très rapidement, puis il fallait prendre des décisions très vite. Mais on a là, déjà, on a beaucoup de matériel pour l'an prochain. Puis là, ben, suite à la diffusion au mois de janvier, il n'est pas dit qu'on notre but, ça serait d'aller voir des diffuseurs pour être à la télévision l'an prochain avec l'Académie. Puis là, on aurait plus de budget, puis on pourrait offrir encore une expérience encore plus enrichissante aux académiciens. Déjà que là, ceux qui sont là, ils sont vraiment en extase. J'ai eu un texte ce matin qui me dit « À cause de ma académie, je fais de l'insomnie. J'ai pas pu dormir cette nuit tellement que ma journée d'hier a été remplie. C'est d'avoir accès aussi à plein de formateurs de renom. Qui a une belle renommée puis qui ont surtout une grande expertise dans ce qu'ils font. Alors ça, c'est vraiment... Pour toutes les personnes qui nous regardent, il faut que vous alliez absolument voir l'Instagram de François Macaille, qui est Franck Macaille, je crois, c'est ça? Exactement, Franck Macaille, oui. Il fait des stories tout le temps, et c'est comme ça que moi je le suis, c'est comme ça que j'ai appris à connaître tout ça, et notamment la Macaille Academy. Mais c'est vraiment très, très intéressant, en fait. Oui, absolument. Donc, ça, c'est un des aspects qu'on fait, mais on fait plein de choses. Alors, tu sais, je suis en train de faire une story que je suis en train de te parler, qui est en train d'être diffusée sur les plateformes. D'accord. Alors là, on va être vraiment partout. Donc, pour ceux qui vont regarder ma story, on peut voir donc sur Alexandre Cordani, sur ta page YouTube. On est là en direct, n'est-ce pas? Et on est aussi sur Pro Immobilier sur Facebook. Excellent. Exactement, c'est ça. Génial. Alors, je sais que tu voulais qu'on parle de... Parce que le titre de ton entrevue, c'était... Comment générer des centaines de nouveaux clients. Exact. Alors, ça, je peux te dire comment on fait ça? Ah ben carrément, oui. Je pense que les gens qui regardent, en fait, ils sont très, très intéressés. Est-ce que les gens qui regardent, c'est des gens qui sont plutôt des courtiers immobiliers en France? C'est ça. Alors, on dit conseiller immobilier, on ne dit pas courtier immobilier en France, on dit conseiller immobilier. Alors, le terme courtier, il est réservé aux personnes qui travaillent dans les cabinets de courtage pour les banques, pour avoir les crédits. Ah, OK, parfait. Donc, les conseillers immobiliers. Alors, bonjour, conseiller immobilier. Je vais vous partager une petite technique que j'ai apprise. Voyez-vous, moi, ça fait 25 ans, je suis à ma 25e année en courtage immobilier. Alors, j'ai commencé, j'avais 8 ans. Et non, c'est une blague. Non, mais je crois que ta maman était courtière toujours, ou a été courtière? Elle a été courtière. Donc, elle a été courtière de 1984 à 2002. D'accord. Moi, je suis arrivé en 97, on a travaillé 5 ans ensemble. OK. Elle était déjà numéro 1 dans la région ici. Donc, numéro 1 sur l'île de Montréal. OK. Chez Remax. Donc elle performait très, très bien. Et moi, toute mon enfance, j'ai vu des pancartes, j'ai vu des chics, qu'elle allait visiter des maisons. On parlait d'immobilier. Je ne savais pas trop comment ça se passait, par contre. Je sais juste qu'elle avait beaucoup de clients. Alors, nous, ce qu'on savait, c'est que notre mère, elle fait des rendez-vous tout le temps. Elle est toujours en rendez-vous, puis elle rencontre toujours des clients, mais on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Elle visite des maisons. Alors, c'était fascinant, mais je voyais qu'elle était toujours occupée, je trouvais ça stimulant. Et à l'âge de 21 ans, j'étais ce qu'on appelle ici le cégep, qui est comme juste la pré-université, si on veut. Donc, j'étais là, puis un de mes professeurs m'avait fortement suggéré d'aller suivre mon cours parce que les cours allaient changer, ça allait devenir plus complexe de devenir conseiller immobilier. Et il m'avait dit, vas-y maintenant, puis tu auras ta licence. Puis ben, je suis allé et j'ai débuté là, vraiment à 21 ans à vendre des propriétés. Puis mon rêve, c'était de devenir, vu que ma mère était déjà, c'était bien classée au niveau du Québec. Elle était arrivée même en 94, elle était arrivée numéro 2 au Québec chez Renault. Oui. Alors là, j'ai dit, ça serait le fun d'être numéro 1. Alors, numéro 2, c'est bon, mais numéro 1, c'est mieux. Alors, j'ai dit donc, il faudrait devenir numéro 1. Alors, j'ai regardé ce que les numéros 1 faisaient et je me suis aperçu
qu'ils étaient tous en équipe. Alors, je me suis intéressé au phénomène d'équipe en immobilier parce que moi, dans mon bureau, il n'y avait pas d'équipe. Puis moi et ma mère, ben, on était comme une équipe, mais on c'était pas le genre d'équipe que je voyais. Alors, j'ai dit, c'est comment ça fonctionne une équipe? Puis il y a quelqu'un qui m'a dit, ben, le courtier numéro un au monde chez Remax travaille en banlieue de Toronto. Il s'appelle Craig Proctor et il offre des conférences sur son modèle d'équipe. Puis là, je suis pas... Fait que là, on est en 98 à ce moment-là. Vous comprendrez qu'en 98, c'est plus difficile. Les communications ne sont pas aussi faciles qu'aujourd'hui. Nous, on se communique. Vous êtes en France. Moi, je suis ici, puis on se parle comme si de rien n'était. Mais à l'époque, de trouver quelqu'un qui fait des conférences dans une autre province, un autre État, ailleurs, c'est plus complexe et je ne l'ai pas trouvé. Et la vie continue. Puis je tombe sur un article sur lui 4 ans plus tard, en 2002. Et il nous parle de justement, il disait, vous tannez de vous faire rejeter à tous les jours, de subir de la rejection, d'être toujours en train de solliciter des gens jour après jour, des gens qui ne veulent pas rien savoir de vous. Il dit, est-ce que vous aimeriez mieux? Est-ce que vous n'aimeriez pas mieux à la place que les gens aient recours à vos services, que les gens vous appellent, que les gens vous sollicitent pour vos services de conseiller immobilier? Tout à fait. Puis là, ben il n'y avait pas de conférence et c'était une boîte qui vendait. C'était son système là, dans une boîte qui vendait. Donc, j'ai reçu toutes les cartables, j'ai reçu tout ça. Je suis allé voir ma mère. Puis là, je dis, ça y est, on va être numéro un, on va faire une équipe. J'avais compris que pour avoir une équipe, il fallait avoir des clients. La façon que ça fonctionne, c'est que quand on est capable de générer assez de clientèle, on peut aller voir un courtier immobilier, un conseiller immobilier et lui dire, ben écoute, viens travailler pour moi dans mon équipe. Et je vais te fournir un client à tous les jours. Et mes adjointes vont devenir tes adjointes. Donc, tu n'auras pas à payer pour les clients. Tu n'auras pas à débourser des sous pour le marketing, pour le personnel administratif. Moi, je vais tout avancer l'argent. Je vais tout payer tout le monde. Je vais tout prendre les risques financiers. Puis après ça, ben, on partagera la commission lorsque tu feras une vente. Puis moi, je vais me repayer de cette façon-là. Est-ce que ça te convient? Et donc, les gens, majoritairement, acceptent cette proposition-là parce que ça leur coûte rien. Puis, les conseillers immobiliers au Québec, je ne sais pas comment ça se passe en France, mais au Québec, les 80% des courtiers immobiliers passent 80% de leur temps à chercher de la clientèle. Alors, donc, ils sont pas vraiment, donc, ils ne sont pas en train de vendre des maisons, pas en train de faire visiter tout le temps des appartements, ils sont en train de chercher des clients. Puis là, ben, il y en a un client qu'on a, puis il ne veut pas acheter, bon, il faut en trouver un autre. Il n'est pas prêt immédiatement, il va être prêt dans 6 mois. Donc, ça prend un grand volume de clients. Et ce qui va nous amener à notre point de comment générer ces clients-là. Alors, donc, Craig Proctor avait trouvé une façon de le faire. Il a assisté à une conférence en marketing à San Diego là, dans les fins des années 80, au début des années 90, dans le fond. Puis là-dedans, ben, il parlait du fait d'adresser les besoins essentiels de nos clients. Alors, quand il est revenu, puis il parlait aussi adresser de adresser les besoins essentiels de nos clients. Ouais, exact. Okay. Ça veut dire quoi, adresser les besoins essentiels de nos clients? Qu'est-ce qu'un acheteur veut? Est-ce qu'il veut un courtier immobilier? Non. Un acheteur, non. Tu parles pour les acheteurs ou pour les vendeurs? Les deux, dans les deux cas. Non, l'acheteur, il veut trouver un bien et le vendeur, il veut vendre son bien. Puis le vendeur, OK. Fait que donc, si on prend l'acheteur, il veut trouver un bien. Oui. Donc, l'acheteur veut trouver un bien. Donc, il se fout carrément du courtier immobilier qui va le représenter. Parce que ce n'est pas le courtier qui est important. Ce n'est pas le courtier ou la boîte ou le courtier de travail, l'entreprise. Ce qui est important pour lui, c'est le bien en tant que tel. C'est la raison pour laquelle toutes les compagnies peuvent survivre aussi parce que le courtier n'est pas important dans la transaction. En fait, on va se positionner puis on va montrer notre valeur ajoutée. Mais à la base, ce que le client veut, c'est le bien. Alors donc, il a dit, on va se concentrer là-dessus. Quel courtier immobilier fait de la publicité pour en adressant ce besoin-là du client? Ils sont rares. Souvent, ben, si tu as une propriété, tu vas l'afficher. Mais si tu n'as pas de propriété, tu fais quoi?
Alors, nous, on s'est fait enseigner, là, pour la majorité des courtiers immobiliers, on s'est fait dire que dans un premier temps, tu dois avoir une propriété à vendre. Si tu as une propriété à vendre, un acheteur va t'appeler parce que tu as un bien. Là, il va t'appeler, puis là, ben, tu vas essayer de lui vendre ce bien-là. Puis s'il ne veut pas l'acheter, tu vas le prendre puis tu vas lui trouver un autre bien qu'il va acheter. Hein? Alors, puis Craig est arrivé, il dit non. Il dit, c'est pas nécessaire d'avoir une propriété à vendre. Il dit que ce qui est nécessaire, c'est d'offrir ce que le client veut. Alors, le besoin fondamental du client qui est un bien. Alors donc, et puis il dit, l'idée, ça serait de vendre ce que la majorité des gens recherchent. Donc, si la majorité des gens recherchent, par exemple, qu'est-ce qui est populaire dans votre secteur, Alexandre? Quel type de bien? Moi, dans mon secteur, c'est plutôt des maisons. Quel genre de maison? Des maisons, on va dire 120 mètres carrés avec 4 chambres. 120 mètres carrés, 4 chambres, à quel prix? On est aujourd'hui autour de 900 000. Euros? Euros, ouais. Parfait. Puis quel secteur, ça? C'est Paris, Est Paris. On est dans le 94. Moi, je travaille sur Saint-Maur-des-Fossés. Donc, on est à 10 km à peu près de Paris. OK, 10 km de Paris. Bon, ben, disons Paris. Ouais, ça va être plus simple pour mon exemple. Je dis... Paris. Ah, oui, c'est un peu plus cher. On va dire si c'est un appartement, 100 mètres carrés, il faut compter 1 million. OK. Alors, disons que tu vois une annonce sur Facebook qui dit obtenez une liste gratuite des 10 plus belles maisons de 120 pieds carrés, 4 chambres à coucher, à vendre à Paris entre 800 et 1,1 million d'euros. La liste gratuite inclut photo, prix et adresse. Est-ce que c'est une annonce qui pourrait t'intéresser? Ben oui. Ben oui, parce que tu ne sais pas si ton bien se trouve à l'intérieur. Tu as la liste des 10 plus belles propriétés. Donc, on t'offre un choix. Puis, ça devient une annonce que tu ne peux éliminer. Parce que, en temps normal, on procède par élimination quand on va sur les moteurs de recherche où ils offrent des propriétés. Alors, on élimine, puis on va, celui qu'on veut, on va appeler le courtier qui représente. Peu importe le courtier. Alors, donc, mais en offrant une sélection de propriétés, une liste de propriétés, ça fait en sorte que le client ne peut éliminer ça. Puis, il n'y a pas le choix. Si on a le prix cadre bien, et le type de propriété cadre bien dans le secteur, bien, le client, il va se sentir forcé, obligé pratiquement de cliquer et de dire « je vais aller voir c'est quoi ». Donc, on va avoir fait lever la main à un acheteur potentiel. Par la suite, on va devoir déterminer la motivation de cet acheteur-là à acquérir une propriété et le timing. Est-ce qu'il est au début de son processus de recherche ou il est à la fin? On a estimé que le processus de recherche dure environ 6 mois. Donc, on ne se lève pas un matin et on dit « ce soir, je m'en vais m'acheter un appartement, puis ce soir, l'appartement est acheté. Hein? » Il y a juste mon ex qui fait ça, puis c'est pour ça que c'est mon ex. Alors, non, c'est une blague. Alors, ça prend un processus de 6 mois. Et donc, on sait, nous, que 10 % des gens avec qui on entre en contact vont acheter d'ici les 90 prochains jours, donc 0 à 3 mois. Il y a 40 % des gens qui vont acheter dans 3 à 6 mois et 50 % vont acheter dans plus de 6 mois. Donc, c'est pour ça qu'on sait que ça nous prend une grande base de données. Mais, encore une fois, la façon de générer le plus grand nombre de clients, c'est vraiment par l'offre de propriété. Puis là, ce qu'on a fait pour être encore plus l'offre de liste de propriétés. Donc, ce qu'on a fait est encore plus percutant. C'est qu'encore une fois, on sait que le client acheteur ne veut pas de courtier, il veut un bien, puis en fait, il aimerait même mieux ne pas parler à des courtiers parce que, un conseiller immobilier, parce qu'un conseiller immobilier, c'est un vendeur. Hein? Alors donc, puis les gens, souvent, ben, ils veulent pas faire affaire avec un vendeur, ils veulent pas se faire vendre, entre guillemets. Mais par contre, ils veulent avoir l'accès à l'information. Quelle propriété est en vente? Quelle propriété est à vendre? Et combien ça coûte? Donc, quel est le prix? Si je peux l'avoir sans parler à quelqu'un, c'est encore mieux. Ce qu'on fait pour maximiser le trafic et maximiser le nombre de personnes qui vont nous rejoindre, c'est qu'on enlève l'appellation du groupe Macaille. Dans mon cas, mon agence, c'est Groupe Macaille, François Macaille. Donc, on retire tout ça
on fait ce qu'on appelle une technique qui est, qu'on a nommée du less branded marketing. Donc, du branded marketing, c'est ton brand, c'est ta marque de commerce que tu mets de l'avant. Less branded, c'est que tu la retires complètement. On l'enlève. Puis, on a fait beaucoup de tests. Comme moi, je possède actuellement à peu près une trentaine de pages Facebook avec le nom de toutes les villes. Moi, je pourrais avoir Immobilier Paris, Immobilier Lyon, Immobilier... tous les arrondissements. Et donc, la page, mon nom n'est pas sur cette page-là. On ne voit que le district ou la ville à laquelle on s'adresse. Okay? Et à partir de cette page-là, on va publier nos annonces d'offres de liste de propriété. Maintenant, Pardon? Mais avec ton nom quand même, avec ton nom dessus. Du coup. Non. Non, toujours pas. C'est juste propriété à vendre. Oui, est-ce que. Je peux-tu partager mon écran ou non? Ah bah, carrément, oui. Attends. Ouais. Tout en bas, tu as partagé. Tu vois le Parfait, bouton partager? Ouais. Tu cliques dessus. Parfait. On va aller à l'écran 2. On va faire ça comme ça. Partager l'écran 2, puis on va aller. On va faire ça comme ça. Donc, vous voyez bien mon écran? Oui, on le voit. Il est là. Parfait. Alors là, moi, j'ai deux écrans. Fait que vous allez me voir me retourner la tête un peu. Alors, je devrais l'avoir dans 2 secondes. Je pense que mon... je vais le mettre en plus grand. Hop. Ah, OK. Là, voici. Bon, oh, il est arrivé puis il est reparti. Bon, on l'a. OK. Alors, disons que je m'en viens sur. Je vais vous montrer ici les pages. Je ne vais pas vous montrer la demoiselle qui est là. Alors, par exemple, ce sont des pages que je possède. Immobilier Info Montréal, Immobilier La Chine, Immobilier Vaudreuil-Dorion, The Montreal Real Estate, Blainville. Donc, c'est toutes des pages, voyez-vous. Alors, si je clique sur une page. Sur la page, je n'ai pas grand-chose. Ce n'est pas une page que je ne veux pas créer de communauté avec cette page-là. C'est juste une page qui me permet de diffuser de l'information. C'est bon. Alors, donc, Immobilier Blainville. Alors, on va publier certaines des propriétés du groupe Mackay dessus, mais c'est tout. C'est pas, on va en publier juste certaines, donc pas tous. On ne veut pas, donc c'est Immobilier Blainville. Mais à partir de cette page-là, on va faire des publicités à partir de cette page-là, puis à partir de toutes nos pages, pour que, alors ce qu'on veut, c'est de entre guillemets, là, de voler sous le radar du client, du consommateur. Le consommateur qui a ses gardes levées, qui dit, oh, attention, moi, là, je ne veux pas parler à un courtier immobilier. Donc, on essaie de se faire le plus discret possible. OK? Parce qu'on veut justement pas que les gens, idéalement, sachent que qu'on est là, que c'est nous qui sommes en arrière de ça, parce qu'on veut entrer en contact avec plus de gens. Donc ça, c'est mon gestionnaire sur Facebook. Nous, on dépense environ 15 000 $ sur Facebook par mois. D'accord. OK? Parce que donc, comment on génère beaucoup de clientèle aussi, c'est avec, bien sûr, des sous. Ben alors, oui, bien sûr. Ouais. Alors, disons, je vais vous montrer une annonce qu'on fait. Je vous ai montré le type, justement, d'annonce qui va nous générer là, énormément de retours. Donc, par exemple, allons-y avec celle-ci. C'est le secteur de Onsic qu'on appelle. Onsic, qui est un secteur dans le centre de Montréal, près du centre-ville de Montréal, si on veut. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, ça ne sera pas tellement long. L'Internet n'est pas très rapide aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'à cause qu'on est en streaming comme ça, c'est possible. C'est peut-être un petit peu plus long, là, mais on va y arriver. Oui, on le voit, on le voit. On va y arriver, mais regardez bien, je vais juste faire ça comme ça. Vous allez le voir vraiment sur une page Facebook. Ça va vous donner vraiment une bonne idée là, de ce que comment on fait ça. Je suis persuadé que ça va fonctionner également. Donc, on revient à notre dame ici. Mais là, on va descendre un petit peu plus bas. Oh. Oh, là, voyez-vous, on a notre publicité qui provient de la page Immobilier Info Montréal.
Obtenez la liste des 10 plus belles propriétés à vendre à l'Atlantic Cartierville entre 450 et 950 000. Liste inclut prix, adresse et photo. Liste renouvelée chaque 5 minutes. Alors, les clients voient ça, voient une photo de maison. Donc, à l'occasion, des fois, on met un carrousel. On met plusieurs maisons. Puis d'autres fois, ce qu'on fait, c'est ou des fois, on change la maison pour voir si on ne veut pas attirer plus de gens. Alors, ça, c'est une maison des années 70 à Montréal. On essaie de prendre des maisons typiques d'un secteur, des photos qu'on va chercher souvent sur Google, des photos génériques ou des photos de maisons que j'ai déjà eues avant. Puis là, on clique ici. Si le client clique, nous, on utilise une formule dans Facebook qui s'appelle Business Lead Form. OK? Alors, ça, ben là, moi, c'est moi qui ai joué avec le nom ici, mais en temps normal, ça serait mon nom à moi qui serait marqué. François Macaire, comme mon courriel ici. Donc, les informations du client apparaissent immédiatement. Facebook va chercher les informations que vous avez mis dans Facebook. Donc, il va mettre votre nom, votre numéro de téléphone et votre courriel. Puis nous, on a rajouté une question qui était « Quand pensez-vous faire votre prochain achat? » Alors, les gens répondent à la question et par la suite, le bouton suivant apparaît. Là, les gens vont dire « Ils vont faire suivant. » Puis quand ils vont faire suivant, on va recevoir le courriel avec leur information, ce qui nous fait un nouveau client potentiel. Alors, c'est ce qu'on appelle à ce moment-là un prospect. Et un prospect, nous ici, on a une équipe de 10 personnes qu'on appelle des ambassadeurs qui ne font que valider la motivation et le timing des gens qui nous contactent via Facebook comme ça. Donc, on en reçoit environ 2000 par mois. Ah oui? Oui. Ah oui. Et du coup, le 15 000 divisé par 2000, c'est ça à peu près? Oui. Donc, ça te fait combien le… Ça te fait 5, 7 euros le contact? Ah oui, à peu près ça, je vais te dire. C'est ça, un peu plus de 7 euros. 7,50 euros le contact. C'est ça. Et ça te génère combien de ventes? Nous, on est toujours à peu près dans le 2 à 2,5 %. Donc, à peu près 40 à 50 ventes par mois. D'accord. 40 à 50 ventes par mois. Oui. Vous êtes combien de courtiers là actuellement au groupe Macaire? Alors, au groupe Macaire actuellement, je vais te montrer. Attendez que j'ai la possibilité d'avoir l'écran. Je partage tout le nom. Si, je peux m'y remettre. Regarde, hop. Ah, voilà. Alors, je vais juste vous montrer rapidement. Le présentement, on engage des gens toutes les semaines. Avec Macaire Academy, ça a créé tellement d'excitation là, dans le monde de l'immobilier. Puis aussi, on fait des promotions, on fait des portes ouvertes à chaque mois où on parle de notre agence immobilière. Donc, ce qui fait en sorte que ça fait… on a des nouveaux courtiers qui arrivent à chaque mois. Notre équipe est rendue maintenant à 40 courtiers. Mais on a également 45 courtiers qui sont indépendants dans l'agence immobilière Groupe Macaire. Alors, ce que ça fait, c'est que, juste pour vous expliquer rapidement, c'est que nos courtiers indépendants, eux, c'est comme s'ils seraient chez Remax, Keller Williams, Royal Lepage, toutes les autres compagnies. J'ai des courtiers qui sont autonomes et que je les entraîne, je les coach, je les forme à être de meilleurs courtiers. Selon mon modèle que j'ai mis en place. Donc, je leur dis, ben, écoutez, si vous voulez faire comme moi, puis faire de 0 à 600 ventes par année, je vais vous montrer comment faire parce que je le fais déjà avec mon équipe. Alors, c'est notre organigramme ici. Puis ici, on s'en va un petit peu plus par ici. Ben là, on va voir que, dans le fond, on voit ici, c'est mon équipe, c'est marqué courtier... équipe François Macaire, ça fait que ça, c'est les gens qui sont dans mon équipe principale. Ces gens-là, je leur fournis des clients. Je leur fournis les clients, les leads là, qu'on génère, les 2000 leads. On les génère pour ces gens-là. Ces gens, les 2000 leads passent par notre équipe ici d'ambassadeurs. Alors, les ambassadeurs, j'ai dit qu'il y en a 10. Il y en a de 10 à 15 continuellement parce que le programme ambassadeur, c'est un programme de formation pour les courtiers immobiliers. Donc, nos courtiers immobiliers viennent ici, travaillent comme ambassadeurs. Ils doivent booker des rendez-vous pour nos courtiers immobiliers, pour nos conseillers immobiliers. Alors, donc, dans le fond, eux, ils vont être le premier point de contact avec le prospect qu'on va générer sur Facebook. Ils vont rappeler ce prospect-là
avec un script qu'on appelle le script universel, qui est inventé par Craig Proctor, justement. Et c'est un script qui est très, très, très facile et qui nous permet de qualifier rapidement le client et de booker un rendez-vous avec lui pour une rencontre face à face. Et lors de cette rencontre-là, il va y avoir une présentation qui va être faite de la part de notre conseiller au client, présentation PowerPoint, où on va expliquer à l'acheteur la façon qu'on va travailler avec, pourquoi c'est important qu'il travaille juste avec nous, puis même à la fin, on va lui faire signer une entente d'exclusivité, comme quoi il s'engage exclusivement à acheter par l'entremise de nos services immobiliers. Puis en même temps, bien sûr, on va prendre ses critères de recherche en note et on va commencer à regarder des propriétés avec lui. Donc ça, c'est lors de cette rencontre-là. Donc ces gens-là, dans nos ambassadeurs, ce sont tous de futurs courtiers immobiliers. Alors donc, c'est tous des futurs courtiers immobiliers. Ils vont tous devenir courtiers prochainement. Et donc, il y a toujours une rotation parmi ces gens-là. Il y en a qui sont là pour un an parce qu'ils font un cours qui est un peu plus long. Il y en a qui font le cours avancé en 4 mois. Donc, mais il y a toujours une certaine rotation là, parmi nos gens qui sont dans l'équipe ici. Par la suite, nos courtiers indépendants. Là, ici, il n'est pas 100% à jour là, parce qu'il y a eu des nouveaux courtiers récemment. Mais c'est ça. C'est nos courtiers ici, c'est sont indépendants. Ils ne reçoivent pas les clients, mais eux, je leur montre comment faire pour générer de la clientèle comme je le fais. Puis dans le fond, je vous ai dit que c'est Facebook, mais Facebook et Instagram sont ensemble. Alors, nos publicités sont diffusées et sur Facebook et sur Instagram, tous les deux à ce moment-là. D'accord. Donc, OK. Tu publies pas sur Google, mais plutôt sur Facebook et Instagram. Oui. Oui, sur Google, on a également, on en fait également sur Google. Présentement, on génère un petit peu moins sur Google. On est vraiment plus sur Facebook et Instagram que sur Google. On va débuter aussi, on part une nouvelle marque de commerce qui s'appelle Luxuria. Ça va être notre équipe pour les propriétés haut de gamme. OK. Alors, c'est notre brand pour le marché de luxe auquel on s'attaque là, prochainement en 2022. Donc, on va aller compétitionner au niveau du marché de luxe avec une nouvelle marque de commerce qu'on a créée qui s'appelle Luxuria. Et du coup, tes courtiers qui sont intégrés, donc ce sont des courtiers qui reçoivent des leads chaque mois. Okay. Oui. C'est des courtiers qui sont payés à la com aussi? Oui. Alors moi, ouais. je paye tout pour eux. Ouais. Dans le fond, moi, je paye tout pour eux. Et on a créé, dans le fond, en même temps, je peux montrer là. On a créé comme 3 programmes, si on veut, pour nos courtiers, pour nos conseillers immobiliers. Alors, on a créé un programme qui est de faire partie de mon équipe où tout est fourni. Donc, on fournit absolument tout pour nos courtiers, donc pour nos conseillers. Donc, ils n'ont rien à débourser, pas de marketing. Ils ont les clients, ils ont accès à la base de données également. La base de données qui contient toujours des clients, toujours, toujours, toujours des clients dans la base de données. Alors, ça ici, c'est le plan Mackay Win Plus qu'on appelle. Par la suite, on a le plan à l'opposé, je pourrais dire, Mackay Indépendant, c'est vraiment d'être indépendant. Et on a le plan du milieu qui est Mackay Win-Win où les gens peuvent avoir les services administratifs, donc les adjoints. Il y a des gens qui vont dire, moi, là, avoir des gens sur le payroll, j'aime pas ça, avoir des paiements à faire tout le temps, mais j'aimerais avoir plus d'assistance au niveau du personnel administratif pour publier mes propriétés à vendre, pour faire mon marketing, etc. Donc, on offre ça aussi. On paye et on reprend le 30% de commission à ce moment-là pour ces services. Okay. Ou sinon, dans l'équipe avec les clients au complet, le 50-50, là, comme on peut voir, là, tout est en vert parce que tout est fourni. Notre courtier a juste à travailler avec des clients et faire des transactions. Puis les clients, ben, il n'est pas obligé d'attendre non plus que les ambassadeurs lui fournissent des clients. Étant donné qu'on lui a montré comment aller chercher des clients, ben, il peut tout simplement aller dans notre gestionnaire de contact. Ou alors, avec ces 2000 clients-là, on les rejoint pas tous à tous les mois. Donc, à tous les mois, on a beaucoup de gens qu'on n'a pas rejoints.
Alors, quand on ne les a pas rejoints, on va les classer dans différentes catégories, si on veut. Dans notre, en anglais, on dit CRM, là, c'est notre gestionnaire de contact. Alors, dans notre gestionnaire de contact, il y a toujours beaucoup de gens qui sont là-dedans. Je peux vous montrer rapidement là, ce que ça a l'air. Ça s'appelle Follow-up Boss, nous. Alors, c'est le logiciel qu'on utilise pour suivre des clients. Ce qu'on aime beaucoup de ce logiciel-là, c'est qu'on peut, à même la fiche du client, on peut texter, envoyer un courriel ou l'appeler directement avec notre ordinateur là, sans passer. Alors, si je clique sur un client, par exemple, celui-ci, alors là, j'ai l'historique. Tous les appels sont enregistrés. Il y a des messages textes. Tout est là. Je peux écouter les différentes conversations de mes courtiers avec les clients. Si on veut écrire une note, on la met là. On veut envoyer un courriel, on le fait ici. On veut texter le client, on le fait ici. Donc, tout se fait à même le logiciel, ce qui nous permet d'avoir des rapports comme on les veut. Mais disons, je vais vous montrer un petit rapport la semaine passée, par exemple. Ça, c'est last week. La semaine passée, au niveau de mes courtiers, je peux voir là, qui a fait quoi, comme Nayam, par exemple. Elle a fait 261 téléphones durant sa semaine. Elle a envoyé 140 textes. Elle s'est bookée 23 rendez-vous. Donc, ça, c'est une de nos top courtières là, actuellement du bureau. Elle a juste 21 ans. Puis, elle est en route pour faire 150 000 $ canadiens là, cette année à l'âge de 21 ans, à sa première année en immobilier. Ouais, c'est vraiment exceptionnel. Elle est très, 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 très bonne. Les autres, Claudia, qui fonctionnent très bien aussi, Daniel, mon frère, Valérie, etc. Mais là, je peux voir, plus on va vers le bas, plus c'est des gens qui ont un petit peu moins d'interaction là, avec le logiciel de gestion de contact. Ouais. On voit qu'à partir du moment où, effectivement, y a de l'interaction, à ce moment-là, il y a du chiffre qui arrive, quoi. Exactement. Donc, moi, ma fameuse, ma citation préférée, c'est une citation de Zig Ziglar. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Oui, bien sûr. Zig Ziglar. Zig Ziglar, c'est ça. Alors, Zig, il a dit une citation qui dit « Vous pouvez obtenir tout ce que vous désirez dans votre vie si vous aidez suffisamment de gens à obtenir ce qu'ils désirent. » Alors, c'est puissant parce que moi, c'est ma citation favorite, puis je dis toujours à mes courtiers, si aujourd'hui, vous n'avez pas fait les sous que vous désirez, vous n'avez pas l'argent que vous désirez dans votre compte de banque ou l'argent gagné cette année, ben, c'est juste que vous n'avez pas aidé assez de gens. Alors, aidez plus de gens, allez les chercher, puis ici, ben, regardez, on les a, les gens, quand vous êtes dans mon équipe, là, les gens sont là, les leads sont là, on en génère. Puis là, ben, je vous ai parlé, puis là, je sais que l'heure approche, mais je vais juste vous dire deux, trois autres choses. Il y a Facebook qu'on utilise, Instagram, mais bien sûr, on est sur LinkedIn également, où on va générer un petit peu de clientèle là, mais on commence de plus en plus à travailler avec LinkedIn parce qu'on s'aperçoit qu'on commence à avoir des résultats. On travaille également avec Google, comme on a dit, mais très peu, mais on en a. On en a un petit peu sur Google, mais on veut continuer à explorer davantage. Avant, on était strictement sur Google. On a tout transféré sur Facebook. Puis là, on veut revenir tranquillement. On regarde également il y a un moteur de recherche ici qui s'appelle Kijiji. C'est des annonces classées de trucs à vendre. Alors, de particulier à particulier. C'est ça. Mais ouais. Les courtiers peuvent annoncer. Alors, on annonce également là. D'accord. Ensuite de ça, on a une infolette qui est distribuée à notre clientèle à toutes les semaines. Dans l'infolette, on parle de nos nouvelles propriétés, on parle d'évaluation de propriétés, on parle de référence aussi. Alors, le référencement provoqué est une activité essentielle pour un conseiller immobilier. Donc, il y a beaucoup de conseillers qui me disent, ça va bien parce que là, j'ai eu 3-4 références. Après ça, là, ça va pas bien parce que j'en ai pas. Puis je leur dis toujours, qu'est-ce que tu fais pour aller chercher des références? La majorité, pratiquement 100% vont me dire, c'est parce que je donne un bon service. OK, mais est-ce que tu as une stratégie pour aller chercher des références? Non. Les références, ce sont les propriétés qui sont à vendre, hein, c'est ça? Non, les références, c'est quand quelqu'un te réfère un client. Ah, OK, d'accord.
Si je dis Alexandre, est-ce que tu connais quelqu'un qui aimerait acheter, vendre ou investir en immobilier? Ça me ferait plaisir de le servir. OK. Alors donc, on devrait, nous, on conseille à tous nos courtiers, à nos conseillers de le demander tout le temps. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui aimerait acheter, vendre ou investir en immobilier? Ça va me faire plaisir de le servir. Oui, c'est quoi son nom? Parfait, je vais l'appeler. Alors, okay. Donc, génial. De le demander, et à défaut de le demander, ben, nous, on le fait dans une newsletter, donc une infolettre qu'on envoie toutes les semaines. On demande, on dit qu'on est à la recherche de références et qu'on nous sommes prêts à aider vos amis, vos parents, vos collègues de travail à acheter, vendre ou investir. Donc, plus on en parle, comme quoi qu'on est à la recherche de clients, plus on va générer de clients. Alors, on ne laisse pas les choses à la chance. On ne laisse pas ça à la chance. On va provoquer les références, le fait de se faire référer des clients. Ici, dans notre base de données, d'ailleurs, si je regarde ici, là, on a une catégorie pas rejoint. On a 307 clients là, qui ne sont pas rejoints actuellement. Si on regarde ici. Puis ici, ben, on a 28 000 là, qui sont soit mal classés ou pas classés ou pas rappelés ou abandonnés. Alors, il y en a 28 000. Fait qu'ici, ben, quand les pas rejoints sont finis, ce qui est rare, on n'arrive pratiquement jamais à zéro, mais on peut toujours aller là, ici, en chercher. Puis si jamais on a fini ces deux catégories-là, on peut retourner dans la catégorie... on peut regarder... Ça ne marche pas. Vous avez combien de clients en tout? Au Fitch. On a 100, ben, ici, on le voit, c'est 123 000 clients. 123 000 contacts. Waouh! Oui. Oui, quand même, beaucoup de clients. Alors, ça, c'est dans notre base de données. Mais c'est ça. Donc, c'est de faire des activités. Une des choses que je peux dire à tes auditeurs, Alexandre, c'est que une des choses, c'est quand on fait. Qui a fait en sorte aujourd'hui qu'on fait 2000. Ben en fait, tantôt, j'ai dit, c'est pas 2000 leads tout à fait sur Facebook, c'est à peu près 1500, 1600 sur Facebook. Puis le reste, c'est de façon le 2000, 2002 qu'on génère. Là. Il y en a une autre partie qui c'est des clients qui nous sont référés. Puis les autres, notre site web, le site de Centris au Québec, qui est une plateforme d'échange de données entre courtiers, mais offert au grand public, si on veut. Toutes les publications des propriétés à vendre sont là. Mais une des choses que j'ai appris il y a longtemps, c'est de dire quand on fait une publicité qui nous rapporte X nombre de leads, OK? Alors, disons qu'on fait une publicité, puis elle nous, un carton de mailing. Je ne sais pas si vous faites ça, des cartons distribués ou pas. Bien sûr. Alors, si on fait un carton, puis le carton nous rapporte, donne un exemple, 5 clients par semaine, OK? Là, on fait une autre annonce, il nous rapporte. Là, souvent, ce que les courtiers font, les conseillers, c'est qu'ils vont dire bon, ben là, je fais une activité, ça me rapporte 5 clients, je vais faire une autre activité, celle-là m'en rapporte 8. Alors, je vais abandonner celle de 5 pour faire celle de 8 car elle est plus rentable. Mais c'est là l'erreur. C'est que si on veut vraiment grandir, c'est qu'il faut garder celle de 5 et additionner celle de 8. Là, on tombe à 13 leads par semaine au lieu de 5 ou 8 leads par semaine. Parce que là, on avait augmenté de 3, mais là, si on garde celle de 5, puis on ajoute celle de 8, puis on ajoute un autre de 7, puis on ajoute un autre qui est... Alors, donc, c'est toutes nos... On avait ça des piliers de marketing. Donc, tous nos piliers de revenus là, qu'on a de marketing, ben, on va les garder, les isoler et les continuer tout le temps dans le temps, puis on va les additionner. Ce qui fait en sorte qu'à un moment donné, ben, on va se retrouver à la fin du mois, ben, on va dire, on est rendu à 2000 leads par mois parce qu'on a une douzaine d'activités ou une quinzaine d'activités qui nous génèrent des leads. Puis il y en a certaines qui ne nous en génèrent pas beaucoup, mais par contre, ils nous génèrent des ventes. Alors, ce n'est pas toujours de combien qu'on génère, c'est pas toujours la source de marketing qui nous rapporte le plus de leads qui est bonne, mais surtout celle qui nous rapporte le plus de ventes à la fin. Puis ça, ben c'est quelque chose qu'on doit toujours moi-même le combattre parce que des fois, on dit « Ah, ça, c'est bon parce que ça nous rapporte beaucoup de leads. » Mais est-ce que ça se transforme en... Parce que ça se transforme en vente à la fin, tandis que l'autre, elle nous en rapporte moins, mais à la fin, on a plus de ventes avec cette source-là, des fois, va être plus chère aussi. Alors, au lieu de nous coûter 5 $ elle va nous coûter 10, 20, 30, 50 $ du lead, mais on obtient plus de ventes. Donc, c'est des petits calculs à effectuer. Non, mais c'est hyper intéressant parce que du coup, on se rend compte que l'investissement est hyper rentable.
même si tu investis 15 000 dollars, alors c'est à la hauteur de ta compagnie, effectivement. Hein, aujourd'hui, tout le monde ne peut pas investir autant d'argent. Mais aujourd'hui, notre budget total de marketing au complet est de 30 000 par mois. D'accord. Donc, en comptant les flyers que tu mets dans les boîtes aux lettres, les fameux cartons, etc. Les cartons, on en a pour un bon 5 000, 5, 6 000 même, je dirais. Facile. On a de la radio. On fait de la radio également pour un autre 4 000 par mois, même 5 000. Ensuite, on a, on a bien sûr les pancartes, mais on a de l'affichage dans les arénas, dans différents endroits qu'on fait. On utilise encore le journal local. Pourquoi? Parce que on sait qu'il y a des personnes âgées qui regardent encore le journal, et ces personnes âgées-là, ben, ils ont des propriétés à vendre. Alors donc, nos acheteurs sont plus jeunes, nos vendeurs sont plus âgés. Alors, il faut aussi, quand on parlait de savoir reconnaître nos audiences, comme par exemple, pour Mackay Academy et le recrutement de courtiers, de conseillers que je fais, là, de plus en plus, j'ai des jeunes conseillers qui me disent « Je t'ai vu sur TikTok. » Alors, par contre, je n'ai pas vu aucun vendeur me dire « Je t'ai vu sur TikTok. » Alors, il faut savoir à qui on s'adresse. Hein? Et il faut adapter notre message de marketing selon l'âge de nos consommateurs. Et donc, savoir que nos clients vendeurs, même si on... ils commencent à être sur Instagram, nos clients vendeurs. Facebook, à mon avis, ici, en tout cas à Montréal, demeure largement plus populaire qu'Instagram pour nos clients vendeurs, qui sont majoritairement nos vendeurs entre 35 et 65 ans. De toute façon, c'est la cible de Facebook. Instagram est une cible plus jeune. Et exact. TikTok encore plus jeune. Exact, c'est ça. Donc, du coup, effectivement, si tu veux toucher du vendeur, il faut mieux aller sur Facebook. C'est ça, absolument, tout à fait. Puis là, ben, il y a aussi, nous, je ne sais pas si vous faites ça, mais on a tout l'aspect du proprio. C'est les gens qui vendent par eux-mêmes. Ils sont regroupés sous une bannière ici qui s'appelle du proprio. Donc, on les sollicite, on a des envois de lettres, juste l'envoi de lettres mensuelles. On a pour un autre 2000 d'envois de lettres là, à tous les gens qu'on sollicite. Alors donc, il y a plusieurs activités qu'on a mis en place depuis le temps que je fais ça qui nous permettent de générer ces 2000 leads-là là, par mois. Mais la grande majorité provient de Facebook. Les autres vont coûter quand même assez cher. Mais encore une fois, c'est pour ça qu'on continue les cartons, parce qu'on sait que malgré le fait que le carton nous coûte cher, il y a des vendeurs qui nous appellent grâce à ça pour aller chercher des propriétés à vendre. J'avais une question, c'était quelle est la part du PAP contre le pro au Canada? PAP, c'est quoi ça? C'est... Du proprio. Du proprio, de ceux qui vendent par eux-mêmes. Ah, c'est faible. Je ne connais pas les pourcentages, mais c'est. Je pense que j'ai entendu parler de 7%. OK. Donc, il y a 93% des gens qui passent par un professionnel de l'immobilier. Ouais. Quelque chose comme ça. Mais je ne suis pas. Peut-être Yann connaît plus que moi ces données-là. Oui. C'est beaucoup plus ancré qu'en France. En France, on estime qu'il y a à peu près 30% du marché qui part dans le PAP, dans le proprio, du proprio. Ah ouais, waouh, ok. Et il y en a plus qui essayent. Il y en a plus qui essayent. Ça, les 30%, c'est ceux qui vendent en direct. Mais il y en a beaucoup plus qui essayent, en fait, de vendre par eux-mêmes. On a une vraie concurrence entre particuliers, nous. Ok, non, ici, c'est pas... il y en a, là, mais je veux dire, c'est pas... Puis je vous dirais que dans un marché plus difficile comme aujourd'hui, malgré le fait qu'on est dans un marché de vendeurs, il y a encore beaucoup de gens justement qui ne voulaient pas, parce qu'on a eu affaire depuis 24 mois là, à des offres multiples. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. On a un phénomène dans surenchère et on a beaucoup de... Des fois, là, une propriété va recevoir 10, 15, 20 promesses d'achat. À ce moment-là, ben, c'est certain que le vendeur... C'est déjà difficile pour un courtier de gérer ça.
qui est conseiller immobilier, pour un particulier qui n'a pas d'expérience, de recevoir toutes ces promesses d'achat-là, il peut aussi, il est mieux de faire, d'être très prudent pour ne pas soit accepter deux promesses d'achat ou se mettre dans l'embarras ou dans une mauvaise situation là, au point de vue légal. Alors, donc, ils ont souvent recours à nos services, puis souvent, même si souvent, on va même amener nos clients là-bas. Si on a une entente signée avec notre acheteur, comme quoi, qui s'engage à nous rémunérer, en fait, qui s'engage à acheter par notre intermédiaire, on n'aura pas peur d'aller voir quelqu'un qui vend par lui-même, puis lui amener notre acheteur, sachant que notre acheteur accepte de payer la commission. OK. Alors, ça, on fait ça régulièrement. Donc, ces gens-là qui vendent par eux-mêmes, je ne connais pas les chiffres exactement, mais en grande partie, je dirais, d'après moi, ça doit être près de 50 % au moins 35 % là, sont vendus par l'entremise d'un courtier immobilier, même s'ils ont affiché par eux-mêmes. Les courtiers. Mais par contre, les honoraires sont moins élevés, je crois. Vous êtes à combien en termes de moyenne d'honoraires? Nous, là, parce que disons que si on représente un acheteur, on va être rémunéré majoritairement 2 %. Ouais. Si on représente un vendeur, ben là, ça va dépendre. Comme moi, disons, dans notre agence, nous, on charge régulièrement, pas régulièrement, mais je dirais la moitié du temps, on charge 6 à 7 % total de commission et on en donne 2 au courtier au conseiller qui va amener l'acheteur. Donc, on se garde 4 à 5 % du côté. Ah, quand même. Instruction, ouais. Oui, donc les honoraires sont quand même assez élevés au Canada. Je pensais que c'était moins. Mais c'est pas la majorité des courtiers, des conseillers qui font ça. Ça, c'est nous ici. C'est le groupe Mackay. Groupe Mackay, exactement. On veut offrir, on offre plus de services, on fait plus de marketing pour nos clients, on a une équipe pour servir les gens versus une seule personne. Donc, tout ça, ben, faut que ça se paye et nos honoraires sont généralement plus chers. De temps en temps, on va compétitionner, on va diminuer à 5 %, on va garder 3, on va donner 2, mais on essaie la majorité du temps d'aller à... Une fois sur deux, en fait, on est à 6, 6,5 ou 7. Ben écoute, on a appris beaucoup de choses. On a appris beaucoup de choses ce soir. Moi, j'ai adoré discuter avec toi. Toute la partie acheteuse. Comment? Ça me fait plaisir. Oui, vraiment génial. Ça a passé trop vite. Ça passe trop vite. Ça fait déjà 1h08. Je ne vais pas te prendre tout ton après-midi parce que je sais que tu es quelqu'un de très, très pris. J'ai une dernière question d'Olivier qui me dit, peut-on représenter un acheteur et un vendeur par le même courtier? Oui, je crois. On peut. Oui, c'est possible. Oui. C'est sûr que on dit toujours qu'il est préférable de représenter un seul des parties pour avoir une meilleure représentation et pas de conflit d'intérêts. Mais au Québec, c'est possible de représenter les deux, oui. OK, super. En tout cas, j'espère que ça a énormément plu aux personnes qui nous ont regardés. On a eu beaucoup, 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 beaucoup d'informations, beaucoup de commentaires. Ça sera disponible. Tu pourras continuer à partager sur le YouTube. Et puis, je te remercie beaucoup. Suivez vraiment François Mackay parce que c'est vraiment, je dirais, un grand big boss de l'immobilier au Canada sur Montréal. Moi, je le vois, j'adore ses stories. Franchement, j'adore ses stories. Donc, merci. Continue comme ça parce que c'est vraiment génial. Et c'est top, quoi. Voilà, te voir ton énergie, voir comment ça fonctionne. Je pourrais rester toute la nuit s'il fallait pour que tu me donnes plein d'informations. Mais là, je pense que ça va être compliqué. Mais… Si un jour je reviens au Canada, parce que j'étais venu au Canada il y a quelques années, si un jour je reviens au Canada, je viendrai te voir. Ça me fait plaisir de t'accueillir à nos bureaux. Ah ouais, carrément, ouais, c'est sûr que je viendrai, c'est sûr. On ira manger. Exactement. Je mets le générique. On se retrouve juste tout de suite après en off, quelques secondes pour dire au revoir. Je vous dis à tous au revoir. Merci d'avoir suivi ce secret de pige et on se retrouve très bientôt pour le prochain. Merci beaucoup, François Mackay. À bientôt. Bye bye. Merci, au revoir.
I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listen to me, cause I run it. I'm the only one that really want it. I'm the only one that's really on it. I'm just being honest, I'm just doing everything I promise, cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest, and I know I'm not the largest, but I promise you that I'ma be the one that worked the hardest, cause I promise you that I'm just getting started, and I promise you.